Vous tombez à pic, je vous pique de nouveaux livres. Oh non! Ciao, Linas. Père Castor, il ne faut du blé. Vous avez raison. Aidez-moi d'abord. Que faut-il faire? Bah, d'abord croquer. Ça, c'est facile. Wow. Attends. Faites bien attention, elle est très chaude. Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard, les enfants. Raconte-nous l'histoire du petit chaperon rouge et de sa galette. On va faire l'histoire de la princesse qui s*** avec la manne. Alors écoutez bien cette histoire et je vous promets que... Si vous continuez à me faire chier, vous aurez pas votre glace. Roule, roule. Ici Roule Roule, qui vous parle? Gal. Dans une petite maison vivait... Raoul et André. J'aimerais bien une galerie. Si c'est une bonne idée, je pourrais t'en faire une si seulement j'avais de la farine. Ferme ta gueule! Monte donc dans le grenier et balaye le plancher. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Elle monte au grenier. Il faut la refroidir. Avec les grains de blé, elle fait de la farine. Ça brûle. Et voilà la galette cuite. Au bout d'un moment, la galette commence à s'ennuyer. Elle roule d'un joint. Toujours plus loin. Oh, oh, galette, je vais te manger. Non, non, écoute plutôt ma chanson. Hein? Elle se sauve, elle disparaît dans la forêt. Viendra ensuite le temps des explications. Pourquoi s'être engagée dans ce chemin? Comment cette merde a-t-elle pu se perdre dans un secteur qu'elle est censée connaître parfaitement? Autant de questions que les gendarmes devront lui poser lorsqu'elle sera rétablie.